Kirigaishi. D'accord? Donc ensuite, on le fait longtemps. Kirigaishi qui est arrivé. D'accord? Avec dans le Kirigaishi, le fait de prendre le sabre. Le fait de prendre le sabre, ici, sur lui. Et là. D'accord? Et donc il devient avec l'atémie. Il y a un atémie dans la construction. Il y a un atémie dans la construction. Là. Ça marche aussi, hein. Tout le bras. Là. Et cette direction-là, on la garde. Moi, mon corps, il est comme ça. Cette direction, je la garde. Quand j'avance, j'avance. D'accord, donc j'ai ce contrôle après. Ici, là, il ne peut pas se relever. Les gens vous disent qu'il faut maintenir en bas, les coudes à l'horizontale et tout. Non. Là, bien la main au-dessus du coude, au-dessus de l'épaule et sur cette vertèbre-là. Là, vous jouez là. D'accord. Il est en appui sur sa main, regardez le tapis. D'accord. Il y a un bras qui tremble, ça. Voilà. Okay. Et là, vous pouvez tout construire. C'est la même chose, hein. Vous pouvez tout construire, c'est le même mouvement. L'entrée est exactement la même. On va juste changer la position des mains et autres, mais le sens du travail, c'est toujours le même. Ici, j'absorbe, prendre sur lui, là. Là, les pieds. Et là, je l'amène là. On est toujours sur cette notion. Je prends bien l'axe. Il sent bien que l'axe est pris. Il tourne. Si il tourne, ma main elle est là. Sur son axe. Là, c'est sur son axe. Donc ça, c'est des choses qui vous permettent de travailler, mais on ne peut pas, là nous on travaille le temps, donc on va tirer, là c'est placé. Et là je travaille toujours l'axe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis en train de travailler, okay, je travaille toujours son axe. J'ai toujours le contrôle de son axe. Ouais. Allez-y.